Bonjour, nous sommes le dimanche 13 janvier 2019. Il est présentement 14h10 minutes heure de Montréal. Il fait moins 12 degrés au centre-ville de Montréal. Bienvenue sur votre chaîne Psari Web TV. N'oubliez pas, si vous avez des informations, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas, écrivez-nous à info@psariwebtv.com. Comme à chaque semaine, les nouvelles 7 sur 7. Bienvenue à la nouvelle année 2019 ainsi que à Inayer 2969. Inayer 2969, il ment ou s'gwes emeinos elfin ou tsamia ou tsaoussin, Ksari Web TV, seremaoun s'gwes emgez, adiawin lehna, l'iser, tzmert, tlouis, تايرين ذو باس إسوفر ذي ثودرت مكاليون أك مكل يوث يناير 1969 a été fêté partout en Algérie ainsi que à l'étranger. Plusieurs défilés ont eu lieu en Algérie où on vous présentera à la fin du bulletin le défilé qui s'est déroulé à Alger ainsi que qu'une chanson de Chérif Khaddam Allahyarhamou présentée par les sapeurs-pompiers de Tizi Ouzou. Ils ont célébré Yennayer à leur manière. Au Canada, plus précisément à Montréal, plusieurs événements marquant Yennayer ont été programmés. Commençons par l'école Inès qui a organisé cet événement le 5 janvier. Pour sa part, le CAM l'a organisé le 12 janvier. La même journée, c'est l'association culturelle Zerfechaoui de Québec. Pour le 19 janvier, il y aura un spectacle avec Kamel Igman et Rebeh Lani à Richmond, en Californie. La dernière information nous provient de l'association des familles de Tegmont ou Kherouch au Canada qui organise aussi cet événement pour le 19 janvier à Montréal. Enfin, pour la première fois, les trois stars de la chanson Kabyle, à savoir Aït Menglet, Idir et Mohamed Allawa, se sont réunis pour fêter le nouvel an Amazir, Yennayer 1969, sur la scène de l'Accor Hotel Arena à Paris. Aussi, une information qui nous vient d'Alger, c'est en tenue Amazir que Karen Rose, l'épouse de l'ambassadeur des États-Unis en Algérie, M. John Desrochers, a décidé de souhaiter aux Algériennes et aux Algériens Esgues Mguez pour l'an 1969. Sur sa page Facebook, elle a publié deux photos d'elle vêtue de deux robes kabyles, une de Béjaïa, une autre Chaoui de Betna. Elle n'a pas manqué l'occasion pour accompagner ces magnifiques tenues d'un message de vœux et une pancarte Esgues Mguez de 1969 Happy New Year. On en profite
Vu qu'on est sur la masurité, le doyen, une information importante aussi, le doyen de la faculté des lettres et langues de l'université de Bouira, Mohamed Djellaoui, a été nommé président de l'Académie algérienne de langue amazigh pour une durée de 4 ans, en vertu d'un décret présidentiel datant du 23 décembre 2018, paru, pardon, dans le dernier numéro du journal officiel. Miss Algérie a été élue la semaine écoulée. Donc, Miss Algérie, il s'agit de Khadija Benhamou, une fierté algérienne. La nouvelle Miss Algérie est née dans la ville d'Adrar, carrefour de civilisations si anciennes que leurs vestiges remontent à la préhistoire, plaque tournante des caravanes et des transhumances sahéliennes, centre de rayonnement scientifique et théologique. L'Adrar signifie en tamazight montagne, une montagne génératrice d'une culture millénaire. De subtilités héréditaires, de merveilles vestimentaires, de parures extraordinaires et de beautés brunes lovées dans leurs gondouras fascinantes et leurs échappes tourbillonnantes. Comment garder le silence devant cette déferlante de racisme sur les réseaux sociaux contre la nouvelle Miss nationale, incarnation de la beauté saharienne et de la diversité algérienne. Face à ces critiques dévastatrices, la presse mondiale s'indigne et se scandalise. L'image internationale de notre pays en prend un coup. La polémique qu'a déclenchée son élection ne semble pas impressionner la jeune Khadija, jusqu'ici hôtesse d'accueil dans un restaurant. Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Que Dieu montre le chemin à ceux qui me critiquent et préserve ceux qui m'encouragent, a-t-elle réagi à la télévision algérienne au lendemain de son élection. Une autre information malheureuse qui s'est déroulé la semaine passée, il s'agit du décès du chanteur Rai Houari Manar. Le chanteur Rai Houari Manar est décédé le lundi 7 janvier 2017 à l'âge de 36 ans suite à une crise cardiaque durant une opération chirurgicale. Plusieurs médias ont rapporté que le chanteur de son vrai nom, Houari Madani, est décédé lors d'une opération dans une clinique privée à Sidi Ihia, à Alger. Houari Manar avait succombé à une crise cardiaque. On revient au Canada. Une information qui va toucher beaucoup de familles établies ou installées au Canada. Il s'agit donc pour les familles à faible revenu. Le gouvernement fédéral a fait beaucoup d'efforts. Donc les familles à faible revenu pourront toucher jusqu'à près de 4 600 dollars de plus en prestations sociales en 2020, grâce à de nouveaux programmes de prestations sociales du gouvernement fédéral. En 2018, le gouvernement fédéral a commencé à indexer l'allocation canadienne pour enfants, ce qui permettra aux parents à faible revenu de recevoir plus d'argent pour leurs enfants. Par ailleurs, l'allocation canadienne pour les travailleurs annoncée dans le budget 2018 doit rentrer en vigueur cette année. Cette allocation permettra à un travailleur seul de recevoir jusqu'à 1 300 dollars et un travailleur en couple de recevoir jusqu'à 2 300 dollars. Une troisième prestation, l'allocation canadienne d'aide au logement, doit être lancée en 2020.
20. Cette mesure d'aide vise à soutenir environ 300 000 familles en leur permettant de toucher jusqu'à 2 500 $ pour les aider à payer leur loyer. Lorsque la troisième et dernière de ces prestations entrera en vigueur en 2020, les familles à faible revenu ayant un enfant âgé de moins de 6 ans et un autre âgé entre 6 et 17 ans pourrait toucher jusqu'à 17 000 $ comparativement à 12 443 $ actuels. On reste toujours au Canada et il y a une charte du voyageur, une nouvelle charte fédérale du voyageur qui va rentrer en vigueur cette année. Donc jusqu'à 2 400 $ d'indemnisation en cas de surréservation d'un vol. Bientôt donc, les passagers des compagnies aériennes pourront obtenir un dédommagement plus facilement. Ils pourront par exemple recevoir une indemnité allant jusqu'à 2 400 $ s'ils perdent leur place en cas de surréservation d'un vol. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le gouvernement fédéral en détaillant sa charte du voyageur qui entrera, comme je l'ai dit, en vigueur au cours de l'été 2019. Selon les estimations de l'Office des transports du Canada, la nouvelle réglementation coûtera environ 2,75 $ par passager. Le passager d'un grand transporteur comme Air Canada ou WestJet aura droit à 400 $ pour un retard de 3 à 6 heures, 700 $ si ce retard dure de 6 à 9 heures et 1 000 $ s'il est encore plus long. La charte stipule également que les compagnies aériennes doivent faire débarquer les passagers lorsqu'un appareil est coincé sur le tarmac durant plus de 3 heures. Elles devront aussi permettre aux enfants de moins de 14 ans de s'asseoir avec leurs parents sans frais supplémentaires, en plus d'offrir une compensation pour les bagages perdus ou endommagés. À l'international, on revient sur le mur qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, et le mur qui, normalement, sauf imprévu, il sera « made in Québec ». Après avoir contribué à la reconstruction du World Trade Center, le groupe ADF de Terrebonne lorgne désormais le mur que veut bâtir le président américain à la frontière mexicaine. Le président Trump veut un mur fait d'acier plutôt que de béton. La barrière de métal pourrait ressembler à celle installée à San Diego en Californie. Fondée en 1956, l'entreprise de Terrebonne est aujourd'hui un chef de file nord-américain dans la fabrication et l'installation de charpentes métalliques complexes et de composants lourds en acier notamment. Le groupe ADF réalise aujourd'hui plus de 90% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Le président américain a en effet laissé entendre mercredi soir lors d'une intervention télévisée que le mur qu'il souhaite construire pour étanchifier la frontière américano-mexicaine sera composé de panneaux d'acier plutôt que de pans en béton. On quitte le continent américain et on revient sur le continent africain. On commence par le Gabon. Le Gabon, au courant de la semaine passée, il y a eu un putsch avorté. Donc le gouvernement du Gabon a confirmé l'arrestation de tous les membres du groupe de militaires qui ont attaqué lundi matin le siège de la radio-télévision nationale à Libreville au Gabon. Le chef de ce groupe avait appelé la population à se soulever pour renverser le gouvernement du président Ali Bongo, hospitalisé au Maroc depuis bientôt 3 mois.
Tous les membres du commando ont été arrêtés ou abattus lors de la reprise du bâtiment par les forces de sécurité gabonaises, a indiqué le bureau du président Bongo par communiqué. Selon la présidence, tous les otages qui étaient retenus dans l'immeuble ont été libérés lors de l'assaut au cours duquel deux putschistes ont trouvé la mort. Le chef du commando, identifié comme étant le lieutenant Kelly, commandant adjoint de la garde républicaine, a quant à lui été arrêté en compagnie de deux autres membres du commando. La tentative de coup d'État avorté a été fermement condamnée par l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne. On reste toujours dans le continent africain et plus précisément dans la République démocratique du Congo où s'est déroulé des élections présidentielles, un événement sans précédent. Donc c'est un événement en République du Congo et le fait est rarissime en Afrique centrale. Un candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, a été proclamé mercredi vainqueur de l'élection présidentielle à un tour. Félix Tshisekedi, 55 ans, est le président provisoirement élu qui doit succéder au chef de l'État sortant Joseph Kabila, a proclamé la commission électorale nationale indépendante en termes d'une longue attente. Les résultats peuvent encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui proclamera les résultats définitifs. La RDC, plus grand pays d'Afrique subsaharienne, vit une double situation historique. C'est la première fois qu'un opposant est proclamé vainqueur d'une élection présidentielle après les deux élections de Joseph Kabila en 2006 et 2011. C'est aussi la première fois que le président sortant acceptait de se retirer sous la pression de la Constitution et non des armes. Joseph Kabila ne pouvait pas briguer un troisième mandat. On quitte l'Afrique pour le continent européen et plus précisément en Allemagne où s'est déroulé un procès à Berlin ou un vol insolite d'une pièce d'or géante. Dans quatre hommes, dont trois membres d'un clan mafieux présumé, comparaissaient depuis jeudi pour le vol d'une pièce d'or de 100 kg dans un musée de Berlin. L'un des cas les plus spectaculaires commis ces dernières années en Allemagne. Les accusés qui comparaissent libres devant un tribunal de la capitale allemande doivent répondre de vol aggravé en réunion et de complicité de vol. Ils risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Revient sur les faits dans la nuit du 27 mars 2017. Trois d'entre eux s'étaient introduits à l'aide d'une échelle dans le musée Bode, en plein centre-ville de la ville allemande, pour y dérober une pièce en or massif d'une valeur estimée à plus de 3 millions d'euros. La pièce d'or canadienne baptisée Big Maple Leaf et sur laquelle apparaît l'effigie de la reine Elisabeth II n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs estiment qu'elle a sans doute été fondue pour être revendue en morceaux ou expédiée à l'étranger. On quitte l'Europe pour le continent américain où plus de 50 000 migrants arrêtés en décembre aux frontières des États-Unis. Et donc, ils ont été arrêtés en décembre aux frontières des États-Unis dans un nombre record de familles. Selon les statistiques officielles publiées mercredi 9 janvier, en plein bras de fer autour du mur que le président américain veut ériger à la frontière sud. Les gardes frontières ont ainsi interpellé
50 753 migrants en situation irrégulière. Près de 27 000 d'entre eux se trouvaient en famille, alors qu'il n'y avait que 13 000 en moyenne chaque mois en 2017, précise le ministère de la Sécurité intérieure. En outre, 95% des familles venaient de pays pauvres et violents d'Amérique centrale, comme le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Dans le passé, les arrestations des sans-papiers concernaient surtout des hommes mexicains venus seuls chercher du travail, qui pouvaient facilement être envoyés chez eux. Les familles venues d'Amérique centrale déposent souvent une demande d'asile, ce qui empêche de les expulser tant que leur requête n'a pas été étudiée. L'ensemble de la classe politique reconnaît que, faute de moyens suffisants pour accueillir ces familles et traiter leurs dossiers, il y a une crise humanitaire à la frontière. Le président Trump évoque également une crise sécuritaire, assurant que des criminels et des terroristes se cachent dans ces flux d'émigrants. Il réclame plus de 5 milliards de dollars au Congrès pour financer le mur à la frontière avec le Mexique. Seul moyen, selon lui, d'endiguer ses arrivées. Société, une jeune saoudienne a défrayé la chronique cette semaine au niveau des réseaux sociaux. Il s'agit de la jeune Rafah Mohamed El-Qanoun. Donc, la jeune Rafah est arrivée hier au Canada. Donc, la jeune menacée d'expulsion au courant de la semaine passée en Thaïlande, placée sous protection du du HCR, la jeune Rafah était en bonne position pour obtenir l'asile en Australie. En voyage au Koweït avec sa famille, la jeune Rafah, âgée de 18 ans, décide de fuguer et atterrit à Bangkok où elle a été arrêtée. Elle a affirmé vouloir fuir les abus psychologiques et physiques de sa famille et vouloir demander l'asile à l'Australie. À la suite d'une mobilisation en sa faveur sur les réseaux sociaux, les autorités thaïlandaises ont relancé à la renvoyer contre son gré. Ils l'ont laissé lundi quitter l'aéroport avec des représentants du HCR. Vendredi, le Canada a décidé d'accorder l'asile à la jeune saoudienne, avait annoncé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Nous lui avons accordé l'asile. Nous sommes ravis de le faire, car le Canada est un pays qui mesure à quel point il est important de défendre les droits de la personne et des femmes à travers le monde. Et je peux confirmer que nous avons accepté la demande de l'ONU, avait déclaré à la presse le Premier ministre peu de temps après que les autorités thaïlandaises eurent annoncé le départ de Madame Rafah vers le Canada. La jeune saoudienne est arrivée au Canada hier matin à l'aéroport international Pearson de Toronto. Madame Rafah a salué les journalistes qui étaient là à l'attendre. L'organisme Human Rights Watch a félicité le Canada pour avoir rapidement ouvert ses portes à une jeune femme vulnérable. Événement Nompans Subway Ride, un événement lancé en 2002, le groupe de comédiens Improv Everywhere, un concept qui a fait fureur dans la ville de New York. Plus de 25 pays font la même action annuelle. Pour Montréal, aujourd'hui, l'événement Métro sans pantalon prendra le départ de la station Sherbrooke à 14h30. Donc 14h30, rendez-vous à la station Sherbrooke, juste passé le tourniquet. 14h50, transfert sur la ligne verte vers Angrignon. Prenez votre temps et visitez quelques stations. 15h20, regroupement rapide à la station Lionel-Groulx pour retourner vers la station Berry-UQAM sur la ligne Orange.
15h50, regroupement à la PEC au centre du premier étage, juste passé les tourniquets pour une session de photos de groupe. 16h, rendez-vous au bar, probablement au Saint-Houblon sur Saint-Denis. Donc, il faut un peu de tout pour en faire un monde. On quitte la politique et la société pour débarquer sur le sport. Donc, au courant de cette semaine, on a connu le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, donc le comité exécutif de la Confédération africaine de football a fait son choix ce mardi 8 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal. C'est l'Égypte qui accueillera la phase finale de la compétition dans moins de 6 mois, puisque le Cameroun avait été écarté en novembre 2018. L'Égypte avait organisé la Coupe d'Afrique des Nations 4 fois et la dernière remonte à 2006. L'Égypte accueillera 24 équipes engagées du 15 juin au 13 juillet 2019. Le tirage au sort aura lieu au mois de mars 2019. Il y a une autre information importante, il s'agit de Walid Selma, joueur de football, qui vient de signer un contrat professionnel à la JS Saoura dans le championnat algérien. Donc Walid Selma, qui était avec l'équipe réserve du Griffon d'Outremont et avant avec le CS Saint-Hubert, vient de signer un contrat professionnel avec la JS Saoura. Il est âgé seulement de 21 ans. On lui souhaite bonne chance. Voilà notre émission des nouvelles 7 sur 7 tire à sa fin. Comme promis, on va terminer notre émission avec le défilé de Yennayer à Alger ainsi que la chanson de Chérif Khaddam par les sapeurs-pompiers de la ville de Tizi Ouzou. C'était Adel Toudert avec Tsari Web TV. Je vous remercie et on va se voir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Bon courage et bonne semaine. We'll be right back.